E a tutti ciurma e benvenuti Reggio Green in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spollicciate. Ed eccoci qua di ritorno finalmente dopo che la volta scorsa, dopo diverse peripezie, siamo riusciti a raggiungere la famosissima isola dei sogni di Hugo. È un'isola abitata, non me lo aspettavo sinceramente, è stata caratterizzata anche questa davvero molto bene. Attualmente sembra esserci ragazzi una festa, stiamo chiedendo insomma informazioni in giro per riuscire a trovare questa benedetta grotta che Hugo appunto ha sognato. Quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati qui ragazzi, stavamo seguendo appunto la processione, per cui intanto procediamo. Benissimo alla me! Benissimo alla me! La mère va prendre Bénis la parole! La, mère. La madre? Un attroupement. Oddio, che sta succedendo qua? Passi te? No, passo io, ovviamente. Fammi passare a me. Oddio. Un attimino di lag. Che succede? Possiamo passare di qua? Ok. Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. E questo chi è? Salve, signor Pelato. Lei è? Oui. Comme vous le savez, ah, il conte. Je n'aime pas les discours. Mi sembra. Émilie, votre prêtresse, sera bientôt parmi nous. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ces jours ardents. Les mots d'une mère. La mère du vénéré enfant des braises. Cet enfant qui protège ses terres sacrées. Viens. Du fléau des rats et de Oddio, la guerre. Sta succedendo? Non, attendez. Qu'est-ce que tu fais? Che fai? C'est parce que c'est le comte Amicia. E quindi on avait un marché. Appelle tes rats. Oh quoi? Mio Dio, c'était che fatto? No, dai. Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non. No, tu no, ne peux pas no. profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud. On est venu ici pour lui. Tu ne gâcheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Oh cavolo. Questo è un guaio ragazzi. Questo è un guaio adesso. Non me lo aspettavo sta cosa. Comunque era stato abbastanza strano per Arno insomma prendersi così tanta cura di noi. Aveva come obiettivo usare i ratti di Hugo per ammazzare il conte praticamente. Quindi dobbiamo purtroppo scappare e lasciarcelo indietro, ragazzi. Non possiamo fare altrimenti, purtroppo. Quindi fuggiamo, fuggiamo, fuggiamo. E mo siamo di nuovo soli. Che sfiga, che palle, dai. Hugo. Che diamine. E adesso che facciamo? Mo ci cercheranno. J'aurais dû m'en douter. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne doit se fier à personne, Hugo. Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Non. Parfois, les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. On Quindi, sauve ton rêve. Mo dobbiamo metterci anche contro Arnaud? Quindi non gliene frega un cazzo in effetti di noi alla fin fine. Beh, bene, bene. Il faut qu'on y retourne, discrètement, si possible. Ovviamente discretamente, te pareva. Si Arnaud est mort ou s'il a tué le comte. On improvisera, souviens-toi. On est doué pour ça. Oui, sacrément. Cerchiamo di non farci scoprire. Mo tornare indietro. Cioè cazzo, Emisa, ci potevi pensare prima. Mannaggia tutto. Sono in un'etapa. Il doit y avoir quelque chose. Oh, qua c'è tra l'altro un banco di lavoro. Ma mi sa che come sempre non ho gli strumenti adatti. Non posso fare un cavolo, regà, perché non trovo l'attrezzo. Come cazzo si chiama? Non posso migliorare una ceppa. E adesso qua dentro. Se porto a donner directement sur la place. Ok. Intanto prendiamo tutto. E quindi dobbiamo uscire da qua. Fermi, bien sûr.
ovviamente chiusa. Che gran novità. Dovremmo trovare un'altra strada. On pourrait monter et passer par-dessus. Oh, c'est trop haut. Trouvons quelque chose pour nous hisser. D'accord. Ok, che cosa possiamo prendere per arrampicarci? Che cosa? Allora, intanto apriamo qua. C'est un chariot derrière. Perché si può aprire, ma non ci possiamo andare. Che cavolo. È chiusa. Ma Hugo non lo possiamo spingere sopra, scusate. Mo non vorrei fare la guastafeste, però è un bambino, lo spingi oltre il cancelletto, perdonami. Ah, può passare da qua però. Vai. Très attention. T'inquiète pas. Je sais. Bene, aprici sto benedetto cancelletto e vediamo di prendere sto carretto. E dai un attimo, emissia, madonna, appena entrato. Ok. Benissimo. Mettons ce chariot en place. Allora, spingiamo il benedetto. Aspettate però, prima di spingere, qua c'è sta altra roba utile. Ovviamente ce la prendiamo. Tac. Un po' di salnitro e... vediamo di portare sto carretto dove c'è più utile. Ah, pure Hugo se dà da fare. Ok, d'accordo. Perché Arnaud se ne è preso conto? Il ha detto che c'était de la faute du conte si son bouclier è cassé. Non penso si tratti solo dello scudo. Sì, ma porca loca, può essere tanto complicato girare sto benedetto coso? Ammazza, stiamo a fare una fatica in male. Ok, passiamo, andiamo. Monte. Su. Monte. Oui. Uno e due. Mi chiedo che cosa potremmo fare a questo punto delle cose con Arno, ragazzi. Ok, qua c'è una cassa. L'apriamo e vediamo. Tanta bella robetta. Mi piace. Attrezzo, rottami. Ah, adesso abbiamo l'attrezzo, ragazzi. Aspettate, magari, visto che siamo giusto sopra al banco da lavoro, possiamo vedere di migliorare almeno qualcosa. Sono secoli che non miglioro niente. Allora, per alchimia e fionda ci servono due attrezzi, ragazzi. Allora direi di aspettare di prendere un altro attrezzo, ragazzi, per poter migliorare appunto o la fionda o il resto. Quindi andiamo su e vediamo un po'. Allora, la piazza è di qua comunque. Vediamo un po' cosa è successo. Li dobbiamo seguire. Il punto è che adesso senza Arno, ovviamente, ragazzi, la situazione si complica di nuovo perché... oh cazzo, la sua presenza. Ecco fatto. Ormai ci ha visto. Oh, porca di quella miseria. Io avevo frainteso, Pure, mo pure sta cosa. Quando attacca, preparati. Il falcone reagisce rapidamente se ti vede o se sente un rumore. Resta il più possibile al riparo e sfrutta i tuoi strumenti e l'ambiente per distrarlo. Questo potrebbe essere un gran problema, ragazzi. Quindi quando attacca ci dobbiamo muovere da un riparo all'altro. Cazzo. Questo è un'altra dinamica incredibile. E dai, no, sono a riparo. Che palle. Non mi rompesse i maroni, Devo continuare a fare rumore qua, mi sa. Muoviamoci. Sta sempre in tempo a vedermi, porca zozza. No, io non voglio giocare a un bel niente. Io vorrei solo andarmene. Fin lì ci arrivo? No, fin lì non ci arrivo proprio. Se do fuoco a quel coso, che cosa succede? Andiamoci, oh cazzo. Questo uccello, ragazzi, può farci parecchio male. Quindi facciamo attenzione e... mi sa che devo passare poi avanti, ovviamente. Il tempo di distrarlo. Quindi giù. Stiamo giù. No, uccidi sta ceppa, uccidi. Scusa, ho appena detto il mio uccello di qua. Oh cazzo, sì però, oddio. Ah, continuo, raga, a sbagliare il tasto per correre. E adesso mi dovrò riparare qua, ovviamente, quindi riutilizziamo questo. Ok, siamo giù. Mamma mia, meno male che stando al riparo non ci può fare male. E ultima volta, forza. Via, correre. Oh cazzo. Ok.
Ok, ok, ok. Siamo a riparo, siamo a riparo, siamo a riparo. Perfetto. Pure questo l'abbiamo fatto, oh, ma... Oh, mi hanno riuscito. Il était méchant, cet oiseau. Où est ce bestie, Arno? Ma... Cioè, ripeto, a sto punto delle cose che gli facciamo ad Arno, ragazzi? Cioè, mi chiedo che fine abbia fatto, poraccio. Oddio. Oui, oui, vite. Spero che non lo ammazzi il conte. Oddio. Il conte è vivo. Tu peux l'arrêter? Ferme-la! Je vais te tuer comme j'ai tué tes hommes! Oddio, oddio, oddio. Qu'est-ce qu'on fait? Che facciamo? Oh! No! Ma io non volevo che ferissimo lui, ma perché? Tu es le seul fautif! C'est ça son armée? Une fille et un gamin? Non, non, attendez! Victor, arrêtez! Cavolo. Emily. Cioè, abbiamo dato addosso ad Arno alla fine. Io pensavo fossimo venuti qui per aiutarlo, ragazzi. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Bien sûr, ma chère. Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. D'où connaissez-vous ce monstre? Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses intentions contre vous, monseigneur. Si vous n'êtes pas des bandits, qui êtes-vous? Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous. Plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? È tutto troppo bello per essere vero. Vous êtes sûr? Enfin... Oui, Emilia a raison. Vous l'avez bien mérité. Non lo so, ragazzi. È strano. Suivez-nous. Ragazzi, quando si dice che tira più un pelo de fica che un carro de buoi, scusate il modo di dire, però... Insomma, lui ha appena visto la sua innamorata, ha detto... Beh, ascolto te, tesoro mio, ascolto te, ma voglio sentire altro, ecco. Quindi se ci ha salvato le chiappe, ragazzi, meno male. Non mi aspettavo sto risvolto, sinceramente, eh. Ugo, fatti le cazzi tua, stammi incollata le chiappe. È tutto troppo strano, cioè tutto troppo bello per essere vero, appunto. C'est vraiment votre maison? Oui, et tu es chez toi. C'est... incroyable. Venez, entrez donc. Quanti fiori, mamma mia. E niente, Doanna così, evidentemente. È bello passare vicino ai soldati che per una volta non ci vogliono ammazzare malissimo. Wow, c'est grand. Wow. N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Ok. Oh, voulez-vous quelques dates avant de rejoindre votre chambre? Des dates? Mais perché? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo, s'il te plaît. Oui. Tout cela peut paraître solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les jours radieux, le bon peuple de Lacuna ne fait plus qu'un. Uni autour Alors, de l'enfant des braises. J'adore. Un bon vivant. Attention, c'est un fruit très nourrissant. Dites-moi, d'où venez-vous? De Guyenne. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver une vie meilleure. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez bien fait de venir ici. Continuons. Vous devez être éreinté après toutes ces aventures. C'est incroyable. Je sais. J'ai hâte de voir notre chambre. Quando sembra, ragazzi, sempre che stia succedendo qualcosa Agnès, di bello. Prepari une chambre poi ci si risveglia dal sogno. C'est sa maman? Non. C'est symbolique. Et voici nos jardins. Mon endroit préféré. Wow. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui, ne sont-ils pas jolis? Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Où sont vos parents? Maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Hugo. Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Tu vois ces plantes? La plupart d'entre elles ne viennent pas d'ici. Mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous, tu sais. On boit de l'eau? Et nous avons besoin de bonne terre, d'amour et d'attention.
Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera, n'est-ce pas, Amicia? Merci infiniment. Vos mots sont pleins de bonté et de vérité. J'aimerais vous montrer autre chose. Victor? Bien sûr. Viens, Hugo. Cette terre est vigoureuse. L'enfant des braises lui insuffle la vie. Nous avons créé les jours radieux pour l'honorer, dans l'espoir qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. À nous, sa mère et son père. Ô bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant endormi. Nous l'aimons, nous le vénérons, pour raviver sa flamme. Cioè, tipo una profezia, una roba del genere, cioè, sto bambino ritorni. E guarda caso Hugo ha sognato di quest'isola. Accepteriez-vous de prier avec moi, à votre manière, si vous voulez? Bien sûr. Hugo? Je vais prier l'oiseau. Ok, è l'uccello di cui sognavo, ovviamente. Une humble flamme, pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever? Un soleil, un fils, si radieux. Si radieux. Si radieux. Merci. Ça me touche. Pouvons-nous continuer? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père? Hugo? Oui. Bien sûr, je comprends. J'attendrai. Rejoignez-moi quand vous aurez terminé. Cher papa. Hugo, c'est vraiment ton oiseau. Regarde-le attentivement. Ah, oui, je le sens. C'est proprio quello che sognavo. Son bec est pareil. Et... Je le sais, c'est tout. Bien, très bien. Retournons les voir et pas un mot de ça à qui que ce soit, d'accord? C'est notre secret. Je sais. È tutto strano, ragazzi. Sento un leggero odorino di merda. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, les nouvelles robes sont splendides. Mi puzza un po' tutto, sinceramente. Sera... Parfait. Excusez-moi. Oh, êtes-vous prêt? Oui. C'è qualcosa Ma che foi, non mi torna. Nous sommes heureux que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Entrez. E tanto sto posto ci avrà talmente tante camere. C'est beaucoup trop. Mais non. Vous êtes nos invités. Un festin nous attend ce soir. Un vrai repas, Amicia. Chut. Oh, il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Vous allez tuer Arnaud? Hugo! Il sera jugé. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès, si tu ah, le souhaites. Pure. N'y pensons plus. Reposez-vous donc. Demain, vous pourrez explorer Lacuna. Les jours ardents sont vraiment une occasion rêvée. Merci. Merci. Gente dame. Non mi fido. Les lits sont robustes. Allez sauter dessus. Oui. Non lo so. No, qua c'è qualcosa che non me la conta giusta. Racconti e rivelazioni. Inizia così il capitolo 9. Ragazzi, ma qua qual quadra non cosa. Cioè, è veramente tutto troppo bello per essere vero. È troppo strano tutta questa gentilezza. Non lo so. Non è per essere malfidata, però... Sento un leggero odorino di letame. Ok. Punto sì, possiamo esplorarla pure l'isola, ma se non sappiamo dove andare. Sì, agréable. Oui. Wow. Eh, viens ici, petite marmotte. Allons, c'est juste le soleil. Regarde. C'est magnifique. Waouh. C'est c'est comme un rêve. Oui. On se croirait dans mon rêve. Allez, on mange un morceau et on y va. Tu viens?
comme c'est beau ici. Amicia, on va jouer. Hugo, on est censé découvrir pourquoi tu es arrivé de cette île, non? Si. Allons-y. Bene. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è esplorare l'isola addirittura. Ovviamente non credo ci sarà data tanta libertà di spostamento, ma trovons d'abord la sortie. Comunque penso proprio che dovremo intanto uscire da questa reggia incredibile. È bellissimo comunque, ragazzi, veramente bellissimo. Ok, possiamo scendere da qui. Wow. Andiamo a vedere. Wow. C'est si grand. Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui, je reste à l'affreux. Campana. On dit rester à l'affût. Oh, c'est moins bien. È sempre la solita oui, storia, ragazzi. Tutto così bello, ma possiamo. Cet endroit est réservé au personnel de maison. Ah. Désolé. No, personnel chiedo scusa. De maison? C'est comme nos serviteurs à la maison. Cet endroit, tempi, c'est vraiment quelque chose. C'est tellement grand. On s'y perdrait. Possiamo scendere ancora. Tu serais une comtesse. Ah non, trop de responsabilité. Mamma mia, tutto troppo bello, troppo bello. Bonjour. È quello Merci. Che succede di solito. Va faire très chaud aujourd'hui. Et comment? Che j'imagine même pas devoir porter si presenta la situazione di similquiete e poi va tutto a puttane. J'en ai entendu parler. Possiamo passare? Bonjour. Est-ce qu'on peut sortir? Bien sûr. Allez profiter des jours ardents. Peccato che il conte sa, tutti i soldati che abbiamo ammazzato erano del conte. Bien dormi? Oh. Sofia, bonjour. Contente de te voir. E questa Comment che ci fa qua? Où vous trouvez? C'est l'histoire de ma vie, trésor. Se lever tôt, fouiner, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Mm. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Et pire, il s'est servi d'Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'une créature aussi mignonne? Ou alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air, Butchou? Mm-hmm. Je ne plaisante pas, Sofia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse? Non, je n'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sofia. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien. C'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Bien. Marchons un peu. Oui. Vediamo cosa ha da dirci. Sofia, dove ci porti di bello? Dove andiamo? Je me suis promenée un peu ce matin. Vous savez où vous comptez aller? Pas encore. Ben, non. Prends ton temps. Le soleil brille, les gens font la fête. Même les gardes sont plutôt aimables. C'est pour ça qu'on n'est pas encore vero. En prison. Però perché adesso portarci appresso? Tu as raison. Sofia, è come ma è una fenice, adesso non mi ricordo di preciso C'est... il sogno di Hugo, celui ma que t'as vu en rêve? Credo sia una fenice. Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Oh, une chasse au trésor? Déjà? Eh bien, suivons son regard. Beh, va di qua. Donc, un rêve et un oiseau, hein? Hugo a beaucoup rêvé de cet endroit. Segui le statue degli uccelli, quindi ce ne sono più di una. D'accord, ce n'è più di una, pourquoi insomma. Pas. Vabbè, ci segue anche lei, probabilmente ci sarà utile in qualche modo. Là, eccole un'altra. Il regardait un autre oiseau. Tu as raison. Et celui-là, il regarde quoi? Il n'y a qu'un seul moyen Andiamo. De le savoir. Proseguendo Tout di qua, ce ne sarà un'altra. Même les odeurs. Oui, ça sent chaud. Il fait jamais chaud en Guyenne? Pas comme ça en tout cas. Je veux bien le croire. Forse sarà di qua. Vediamo un attimino fin dove conducono ste benedette statue. Probabilmente al posto che ci servirà, ovviamente, però non credo che quella statua guardasse fin qui, almeno credo. Beh, infatti qua non si può attraversare, però molto bella la vista, molto bello l'ambiente, molto bello tutto, ragazzi, bisogna riconoscerlo. Quindi, tornando indietro, immagino di dover procedere per la strada che ovviamente non ho seguito per prima e quindi andare di qua. Scusa Sofia, sei un po' mezzo ai coglioni. Merci. Juste encore quelques tuiles.
Dove sarà l'altra statua? Attraversiamo di qua. Oh, scusi, signore. Bonjour a vous. Salve. Bonjour. Salut. Ok, mi ha salvato la partita, quindi deve essere la strada giusta. Ecco l'altra statua, ragazzi. Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Fate? Scusate, cerimonia o non cerimonia, a me poco interessa per adesso, eh. Ecco l'altra statua. E quindi ne indica un'altra, immagino, forse su di qua. Tout ça est très beau, mais l'église ne considérerait-elle pas ça comme de l'hérésie? T'as raison. Il faut être compte pour prendre ce genre de risque. Cette île est assez isolée. Je suppose que ça facilite les choses. Et il n'y a aucun silence que l'or ne puisse acheter. Anche questo è vero. Comunque qua on c'è l'altra statua. Infatti è quello che stiamo facendo, caro. Encore un. Dis donc, elle est grande cette famille d'oiseaux. Allons trouver le prochain. Imagine si ça conduit à un vrai nid. Non, c'est quelque chose d'important. Forcément. J'en suis sûre. La chasse aux oiseaux reprend. Ok, quindi indica dritto di qua, per cui suppongo che dovremmo comunque continuare a seguire questa strada principale. Andiamo a vedere. Cioè, è strano comunque che ci siano addirittura delle statue che simboleggino l'uccello che ha sognato Hugo. Un altro salvataggio. Che fate qua? Aucun enfant ne naît. Ils existent déjà. Attendant un nouveau souffle. L'appel de la foi renouvelé. Comunque la statua era là sopra. Soufflé sur son lit de braise. C'était étrange. C'est une prière à la vie et aux enfants. Ok, qua c'è l'altra statua, ragazzi. Non, ça va. On a beaucoup marché. Bello comunque. Cioè, raga, continuo a rimanere stupida dalla bellezza visiva di questo gioco. Un autre oiseau. Il regarde ses colonnes. Le colonne? Eh bien, allons voir. Che colonne? Di qua? Ok, eccole. E possiamo passare di qua, infatti. Perfetto, andiamo. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois? Una cippa, che vedi? Je vois des colonnes. C'est si beau. Sacré trouvaille. Scopri cosa nascondono le rovine. Une sorte de théâtre antique. Oui. Possiamo scendere da qua? No. Important. Invece possiamo scendere da qua e vediamo un po' cosa nascondono appunto queste rovine. Voyons voir ça. Ci deve essere qualche altro indizio, no? Là, l'oiseau. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper. Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. Come? Dandole fuoco? Stai scherzando? Minchia, gli devo dar fuoco, ragazzi. Che palle. Allora, intanto aspettate che... Sofio, ti consiglierei di allontanarti da lì, ovviamente. Ci danno pure quello che ci serve, ragazzi. Alcol e zolfo. Quindi, non ci resta che dare fuoco a tutto ciò. Mi dispiace, perché mi dispiace. Nia, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. Molto interessante comunque questa ricerca. Cioè, cosa ci sarà dietro a tutto questo? C'est l'île. C'est une carte de la Kuna. Ah, très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ce doit être byzantin. Il y a beaucoup de vestiges dans le coin. Là, Amicia, c'est le dessin. Quel dessin? Le dessin de l'ordre. Oui, je le vois. De quel ordre? Un ordre d'alchimiste, lui aussi très ancien. Tu nous as entendus sur le bateau, Sofia. Hugo est malade. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère, l'étudier comme bon leur semble. Mais je... Tu t'inclines devant personne. Je comprends. Que sera chiaro anche. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants,
Celui-là. Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Les dents. Si. On les appelle las madres, les deux mères. Les premières choses, insomma, qu'a sognato Hugo. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. Ces dents. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Ah, è vero, lei ancora c'ha sto senso. Allora, di debito nei nostri confronti. On va faire de l'escalade. Oh, porca loca, no, scalare una ceppa. La vidéo doit valoir le détour. Oh, j'ai hâte de voir ça. Mamma mia, ma veramente vogliamo scalare il posto con un bambino appresso? Allez, monte. D'accord. Okay. Vabbè, è tutto molto interessante, ragazzi. Cioè, la cosa si fa più enigmatica. Ouais. Une sorte de temple, un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. Ça éveille encore plus ma curiosité. Parfait. C'est notre prochaine destination. Ça a l'air si joli. Quindi dobbiamo comunque raggiungere le montagne, è lì che sarà la grotta che ci interessa, ovviamente. Mi chiedo quali ostacoli ci troveremo di fronte, perché mi sembra tutto fin troppo semplice, ragazzi. Donc, andare, fare. Un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est particulière. È vero, lei non ne sa nulla. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Je suis pas un bambin. C'est dans son sang. Ce mal remonte à la nuit des temps. C'est injuste, mais c'est réel, Sophia. En Guyane, c'est pour ça que l'Inquisition nous traquait. On a failli ne jamais arriver ici. C'était horrible. Ils ont tué tout le monde. Bon sang. D'accord. On va trouver ce que vous cherchez. Je vous le promets. Merci. Ok. Dai, dai. Ma non fate come è successo con Arnaud, che ci fate affezionare e poi ci tirate un calcione lì dietro, eh? Allora, possiamo aprirlo? Le chemin du sanctuaire. Alors, on n'a plus rien à faire ici? Sì, andiamo. Non, allons-y. Ça promet d'être long. Le premier haut. Pas si vite, après je vais devoir te porter. Trousseur. Ok. Ci stiamo avvicinando e la cosa si fa alquanto interessante. Eccoci. Bello sto posto comunque. Meraviglioso. Tu tiens le coup? Ça fait un moment qu'on marche. Je pensais que c'était plus haut que ça. Ne sois pas trop déçu. On est loin d'être arrivé. Quelqu'un est plus fatigué que toi, on dirait. Je déteste les montagnes. J'ai toujours été plus à l'aise sur l'océan. Moi, j'aime les montagnes. Elles sont immenses, alors quand on est en haut, on est immense aussi. Tu sais, c'est sa première fois en montagne. Eh bien, dans ce cas, on va tous devenir immenses. Bene. Ne stiamo per... Oddio, ci manca ancora, eh. On est presque au sanctuaire. Manca ancora un pochettino. Courage, ça vaut la peine de transpirer un peu. Regarde sa taille. Beh, comunque, con sto caldo, tutti sti vestiti addosso, mamma mia, non si immagina il sudore. Je veux voir l'oiseau, le vrai. Ou l'arbre, ou la mare. Sì, ha sognato che l'acqua lo guariva. Quelque chose qui t'aiderait vraiment, Hugo. Peut-être que l'oiseau en aura. De l'eau de source. Comment il peut courir par cette chaleur? Magie de l'enfance. Et il s'endort aussi en une seconde. Fai piano, non te butta dentro, eh. Elle a l'air tellement fraîche. Elle l'est. Exactement ce qu'il me fallait. Hé, hey, Hugo, ton visage est tout sale. Je vais t'arranger ça. Attaque d'eau. Hé. Contre-attaque. Pour les deux runes, Hugo. D'accord. Pour je les deux runes. Trempé comme une soupe. Vabbè, tanto ci asciugheremo subito. Ok. Troppo belli sti momenti spensierati. Poi ci ributtano nel baratro. Eh beh, che famiglia. Della disperazione in un modo o nell'altro.
Ho paura, ragazzi, sinceramente, perché appunto, vedete, cioè ti fanno rilassare e poi ti pugnalano di nuovo. Oh cavolo. Des chèvres. Il y en a plein, Amicia. Eh sì, le vedo. Mais pas peur. Elle préfère de loin les feuilles d'olivier aux petits enfants. Oui, mais elle crie. Je suis là. Tiens, tiens, tiens. Notre preux chevalier a peur des chèvres? Il y en a trop. Vous comptez vous rendre au sanctuaire de l'enfant? Tout à fait. Ah, désolé, vous arrivez trop tard. Ils ont fermé les portes, comme vous voyez, pour la cérémonie. Non. Oh, on a fait tout ce chemin pour le petit. Eh bien, le sentier des chèvres à côté vous en rapprochera. Okay. Mais regardez de loin. Le comte et la comtesse sont en haut et les gardes sont à cran avec ce qui s'est passé hier. Ils ne seront pas tendres avec les invités surprises. On gardera ça en tête. Merci à vous. Oh. Madonna. C'est une cérémonie. Si vous tombez sur Tramontane, vous pouvez me la renvoyer? C'est une de mes chèvres. On essaiera. Ok. Bonne chance alors. J'espère qu'elle ne nous attaquera pas. Oh, allez, c'est une chèvre, pas un loup. Mais elle crie. Cioè, comunque, stanno tenendo una cerimonia al santuario, conte e contessa. Che cerimonia? Perché hanno chiuso tutto? Pas de chance. Vois le bon côté. On ne boucle pas un endroit comme ça si on n'a rien d'important à y cacher. Oui. J'ai encore plus envie de savoir. Cioè, cosa sta succedendo lassù? Che tipo di cerimonia? Écoutez, c'est la chèvre du monsieur? Tramontane. Oui. Dovrebbe essere dans qua cette vicino. Maison, peut-être. Sì, mi sa di... Come ha fatto a chiudersi dentro? Scusate. Bello che pure Ugo mi dà una mano. Aspettate però, mi posso creare qualcosa? Sì, posso prendere sti materiali? Sì, ovviamente. E aprire la porta, la povera capella. Che cavolo. C'est ce que font les héros. D'accord. Il y a peut-être une autre entrée? Cioè, Ugo qua ci passa tale quale, eh? Non vorrei dire, ma... ci passerebbe tranquillamente. Elle est là. Dove? On devrait te renvoyer à ton maître. Les chèvres. Gamine, je l'ai fixé dans les yeux pendant des heures. Impossible de savoir ce qui se passe dans leur tête. Tu n'es peut-être pas prête pour leur grand savoir. Qua dentro, no? Mezza sterba. E infatti, vedete ragazzi, c'è un passaggio qui. Però mi sa che se non bruciamo sta roba... Sophie, spostate un po'. Sophie, io ti consiglierei di spostarti. Gli devo dar fuoco per forza oppure no? Ma la devo bruciare per forza, mi sa la... la sterpaglia, quindi vieni qua per favore, togliti dal cazzo, perfetto. Secondo voi prende fuoco anche solo con questo? Sì. Wow. Almeno non spreco un vasetto. J'espère qu'elle est gentille. Elle sera forcément reconnaissante. Ah, ça passe. Si elle est bonne, on l'enfermera à nouveau, d'accord? Mamma mia, come appassisce. Tu as deux femmes fortes pour te protéger. Ok, quando finirà di ardere vedremo di far passare Ugo là sotto, ovviamente non adesso perché sennò passerebbe in mezzo alle fiamme dell'inferno. Possiamo passare adesso? Sì. E infatti è quello che ho visto. Ecco qua. C'est à toi de jouer. Forza su, non aver paura, eh. Mon héros. Che è solo una capra. Il est trop drôle. Basta che ci apri la porta. Souvent. Vite, tu as réussi. Ecco la capretta. Digne d'un chevalier. Alors voilà notre fugitive. Ma tu l'as sauvé, capretta. Ugo. Tu veux lui dire bonjour? Ma dai, non fanno paura le capre, eh. Je t'accompagne. T'as fait le plus dur. Ne l'effraie pas et tout se passera bien. Et si jamais elle crie? C'est mieux qu'une morsure. Dis-toi que ça peut arriver. Voilà tout. Je vais essayer. Tu vois? C'est facile. Elle ne crie pas toujours. Bravo, era rimasto tipo un po' traumatizzato. Elle est gentille. Parfait. La chèvre est sauvée, tu as surmonté ta peur et je veux voir ce sanctuaire. On y va? Oui. Si. Rentre vite. Ton papa t'attend. Okay. Elle ne bouge pas. Elle bougera quand elle en aura envie. Quindi intanto la capretta l'abbiamo salvata, pourtant, ragazzi. Il n'y avait pas de chèvre dans ton rêve. Non, mais il y en aura peut-être maintenant. Qui ne voudrait pas rêver de chèvre? Vediamo un po'. Quanto riusciamo ad avvicinarci al santuario? Eccolo là. Beh, è tutto molto strano comunque. Pardon de vous brusquer, mais la cérémonie va bientôt commencer. Un soldat. Oh, aucun problème. Ovviamente non potremo passare, ragazzi. Monte. On a eu assez de violence hier.
L'enfant devait être très méchant. Monte. Nous redoublerons de vigilance. N'ayez crainte. Bien. Eh bien, merci Arnaud. Perché ha creato troppo scompiglio, ovviamente oggi stanno con gli occhi apertissimi. Allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita. Direi che magari per oggi possiamo fermarci qua. Però sono veramente tanto tanto curiosa adesso di andare a scoprire cosa stanno facendo in questo benedetto santuario. Perché Conte e Contessa sinceramente mi hanno puzzato tantissimo. Il fatto che siano stati così gentili, così disponibili. C'è qualcosa sotto ragazzi, ho paura sinceramente di scoprire cosa. Ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Io vi lascio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!